Astéa. Astéa, c'est le fait de ne pas voler. Donc un certain... Pareil, j'espère que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas en train de dévaliser les magasins ou... voilà. Mais à nouveau, quels sont les autres aspects de Astéa? On fixe un rendez-vous à quelqu'un. Et on se pointe 2 heures après. Est-ce qu'on n'a pas volé 2 heures de cette personne? D'une certaine manière. Qui peut-être aussi aurait pu faire d'autres choses, mais là, était bloqué sous la pluie, quelque part, à vous attendre, parce que, voilà. Quand, parfois, le manque de reconnaissance, certains vous donnent quelque chose, vous inspirez de quelque chose, et puis vous le donnez un peu. C'est moi qui ai trouvé. Hein, voilà. Est-ce que vous n'êtes pas aussi en train de vous approprier, en fait, quelque chose qui n'est pas de vous? C'est aussi, d'une certaine manière, une manière de voler quelque chose. Par rapport à vous-même, hein, si on pousse très loin, est-ce que le fait de s'occuper parfois avec 10 000 choses et de ne pas se prendre le temps, justement, de prendre un peu le temps pour essayer de se connaître, est-ce que là aussi, on n'est pas en train de voler, entre guillemets, un peu du précieux temps qu'on a? C'est aussi des questions qu'on peut se poser.